Ce mois d'août 2023 sera gravé à tout jamais dans la mémoire de la belle Alexia Mori. Sur son compte Instagram, elle a partagé des photos et vidéos de son mariage, célébré il y a quelques jours seulement. Une cérémonie dont elle garde des souvenirs impérissables qu'elle a souhaité partager avec ses abonnés. Le 18 août 2023 restera à jamais gravé dans les mémoires d'Alexia Mori et de toute sa famille. Ce jour-là, la jolie brune a dit officiellement oui à son compagnon de longue date Stéphane et est désormais devenue une épouse. Très active sur son compte Instagram, la mère de famille n'a pas manqué de sortir son téléphone pour immortaliser la cérémonie qui a eu lieu dans le sud de la France et en partager quelques bribes avec sa fidèle communauté. Entre larmes, rires, amour et vœux échangés, toute la tribu a passé une journée mémorable. Sur la plateforme sociale, Alexia Mori a notamment posté une vidéo retraçant toutes les étapes de cette cérémonie riche en émotions. Mariage civil 18 août 2023. Pour toujours mon amour. A-t-elle écrit en légende. Sur le court extrait vidéo, on peut voir la maman de trois enfants, vêtue d'une robe à volant, courte sur le devant et longue à l'arrière. Son haut, à manches longues et bouffantes, est agrémenté de paillettes tandis qu'à ses pieds, Alexia Mori porte des escarpins pointus couleur chair. Son compagnon Stéphane était quant à lui habillé d'un costume rosé sous lequel il arborait une simple chemise blanche. Sur la vidéo, on peut voir des bribes de leur union à la mairie, du shooting photo des mariés et de l'apéro, en bord de plage, avec tous les invités. Quelques heures plus tard, la maman de Louise, Margot et Camille a également posté une série de photos. Désolé d'avance pour ce spam photo mariage qui va arriver mais j'ai envie de les regarder encore, encore et encore. Je ne reviens toujours pas que je suis mariée et que maintenant j'ai un mari. Et que je m'appelle Loubignac, a-t-elle écrit en légende, fière de porter le nom de celui qu'elle aime. Sur les clichés, on peut voir la jeune trentenaire et son époux, plus amoureux que jamais, en train de prendre la pose devant l'objectif. Une énième publication montre toute la tribu au complet et tout sourire. En stories, la belle a raconté sa journée. Tout a commencé vendredi, jour de notre mariage civil. Je me suis préparée seule. Puis ma sœur et mon frère m'ont emmenée à la mairie. J'étais stressée, mais tellement heureuse. Puis on est parti faire un repas intime avec nos témoins et nos parents, a-t-elle d'abord expliqué avant de prendre son téléphone face caméra afin de remercier tous ses abonnés pour les messages de félicitations reçus ces derniers jours. Maintenant, direction leur voyage de noces.